Maelstrom. Je sais pas si c'est un truc en ligne contre des bots, contre des humains, si en fait je vais me faire ban après coup. Donc voilà, c'est parti. Ah, c'est quoi les navires? Voilà. Couler les navires, machin, super. Localiser le convoi de ravitaillement. Donc au niveau graphique, vous verrez plus tard, hein, parce que là pour l'instant j'ai pas accès, puisque j'ai la vue verte activée. Alors la carte est où? Une carte à droite. Et j'ai dû réduire les ombres et le post-traitement pour essayer de tenir à 90. Ah, ils sont amis ou ennemis eux? Je sais même pas. Alors il me dit empêcher les navires de ravitaillement d'atteindre le port. Donc c'est ça les navires de ravitaillement? Corsaire? Je sais pas. On va voir. Oui apparemment. Navire à vapeur au lieu d'avoir un voile. On avance avec les sticks et on baisse la vitesse. On va, voilà. En avant sur le pleine vitesse et j'arrive pas à le faire. Et là, les bateaux de ravitaillement sont en train de se barrer. Tout ça pour récupérer des coffres. Ça va être la monnaie en fait du jeu. Et encore, ça doit être pour des. Comme c'est un free to play, ça doit être de la monnaie de singe. Et puis tant que vous n'avez pas mis des euros, vous devez en fait acheter de la daube. En tout cas, il tourne super bien, il n'y a pas de bug, il n'y a aucun problème au niveau de l'interface. Oh là là, comment il m'a tué là. D'accord, ils ont une escorte. Apparemment. Là, je vais encore me retrouver. Est-ce que je peux faire marche arrière avec ce bouilli quand même? Avec un vapeur. On va essayer de rattraper le convoi. Alors la brume est assez sympa. Ça rallie, ça n'a pas trop ralenti. Oh, qu'est-ce que je raconte? Là on passe à 66. Waouh, c'est chaud quand même. Alors, ennemi, yes. Donc on vise avec le stick gauche et on tire avec le droit. On a les temps de recharge en fait de chaque côté du bateau. Et je fais n'importe quoi. Donc c'est la toute première fois que je joue au jeu, hormis le didacticiel. Et puis on verra si je me fais ban, pour voir si le lieu vert est détecté comme un cheat ou non. Formidable, enfin du moins. Ah, il y a un... apparemment il y a une frégate quelque part ou un corsaire, ouais. Mais les effets de reflet là de sur l'eau, la réfraction est assez bien réussi. Et c'est un euphémisme de dire assez bien parce que c'est vraiment sympa. Bon après, aïe, j'ai perdu. Pas mal de. Oh non, c'est juste en fait quelques. Ah ouais non, si quand même. On passe de 90 à 70, on sait pas trop pourquoi. Bon après c'est peut-être en rapport avec les serveurs. Va savoir. Couler. Alors, navire ravitaillement atteint le port. Bon voilà, j'ai donc foiré ma mission. Je suis content. Et je sais pas du tout où ils sont allés, puisqu'en fait sur la boussole on voit rien. Et là je me traîne à 60 images par seconde. Mais attends, mais c'est un truc de ouf. Là, si je regarde pas en fait cette zone, ah ouais d'accord. Bah non, 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 je pense pas que ce soit plus plus imposant que ce qu'il y avait derrière au niveau des îlots. Donc, pirate. Bon, bon, on va arrêter. Allez, allez, attendez, c'est une espèce de grosse buse.
pris de vitesse. Donc, je comprends pas grand chose, mais bon, j'essaie de me dépatouiller avec les commandes. Et surtout, j'aimerais bien savoir où en fait où sont passés les navires de ravitaillement. Mais surtout, c'est assez décevant de passer de 90 à 60 là, sans qu'on ait véritablement de raison en cela. Waouh, je suis en train de heurter un truc. Pourquoi ? Utiliser quelque chose pour m'immobiliser. Ah non, non, il y a un récif là. Mais... c'est chaud quand même. Ah, on a une batterie de canon supplémentaire. Ah, apparemment c'est pour les boulets incendiaires. Bon, allez, avance là. Je sais qu'il y a de la houle, mais c'est quand même pas une raison pour m'embêter autant. Long gunner. Wow. Des mines, non. Ouais, c'est ça. Ont-ils damage de human ship, de la machine. Couler les navires de ravitaillement, couler les navires de ravitaillement, non, de nulle part, ne vous faites pas couler. Superbe. Et donc maintenant je fais quoi? En fait, ça cartonne. Pirate. Une tour de pirate. Ça ne dit rien qui vaille. On n'a même pas à la longe pour aller foutre des boulets sur la tour de pirate. Super. Ah, c'est la tour qui s'amuse comme ça, en fait, à... sacré paquet de navires, ça sent mauvais. Bon, il n'a pas l'air excessivement blindé, normalement je devrais en finir rapidement. Apparemment je dois tirer à blanc. Alors le fait que toutes les modifications en fait au niveau de l'interface doivent se faire au niveau de la souris, vous imaginez bien en fait que je peux pas aller dans le menu en ce moment. Oh là là, la taille des trucs. C'est ça les vaisseaux de ravitaillement, ouais, on dirait. Là, apparemment je vais filer là, voilà, je suis mort. Bon, voilà qui conclut Maelstrom. Je vais pas aller plus loin pour la découverte, ou alors je vais essayer de baisser les graphismes à fond. Si tant est que j'arrive à choper la souris, est-ce que là.
Alors on a baissé les graphismes, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Oh purée, pendant tout ce temps qu'on a fait forcément... Oh mais ça change pas grand chose, ça a même empiré. Oui, parce qu'il y a encore plus de navires, d'accord. Bon, bah. 36 FPS, j'ai pas augmenté, hein, j'ai baissé. Oh la vache. Même à 60, je pourrais pas jouer quoi. 35 en plein, la tête, je sais pas en où. Oh la vache. Je dis ça pour les dégâts en fait, ce que je me prends. Et surtout en fait pour le 30 images par seconde qui se sont envolées. Aïe aïe aïe. Allez, absolument tout ce style et je viens encore une fois le couler, magnifique. Belle performance. Bon, ce sera la dernière tentative au niveau réglage et framerate. On est obligé de recalibrer tout ça. Et ça rame un peu moins et c'est forcément moins beau au niveau de la... des reflets de l'eau, mais non, ça... Bah non, il n'y a rien à faire en fait. Hein. Ah ouais, vraiment rien à faire. Oh là là, non, on va pas aller là-dedans encore une fois. 90, vous voyez, j'ai 90 FPS. Si c'est pas fou, oh là là. Préparation, ça me rappelle donc ça me donne quoi? Je sais pas. J'ai pas vu un changement sur ma coque. Comme j'avais une bonne idée en fait de se mêler à tout ce petit monde. Sans comprendre quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on est en train de faire, si ce n'est aller devant de graves ennuis. Bah apparemment il n'y a plus que ça, les gros galions et puis... Oh, j'ai un gros galion encore. Oh, quel nul.
mettre à l'arrêt là. Fail, voilà, recherche et destruction, bah, c'est parfait. Ça galère en fait à peu près à tout niveau graphique. Et puis ça conclut donc notre incroyable test de. Enfin, test benchmark surtout, de Maelstrom avec l'UEVR.